Puis-je prendre votre commande, messieurs? Ma femme sera bientôt là et elle passera la commande pour nous deux. Ok. Très bien. Kiki Grand-mère est de retour. Ah ah. Comment tu vas? Ah ah. Oncle Roland m'a dit que tu n'as rien mangé depuis ce matin. C'est quoi le problème? Grand-mère, appelle mon père. Approche. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Il n'y a pas de problème. Kiki, mon cœur. Je t'ai dit plusieurs fois que ton père est allé travailler en mer. Et là-bas, on n'utilise pas de téléphone. Alors, il appellera lorsqu'il sera de retour, ok? Mon père me manque. Je veux le voir. Je veux lui parler. Je le sais. Et tu le feras bientôt, ok? D'accord, grand-mère. Allez, souris maintenant. Est-ce pour ça que tu fais cette tête? Oncle Roland et maman ne font-ils pas de leur mieux? Est-ce que tu as faim? Je t'apporte de quoi manger? Oui. Non, 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 non. Allons le chercher. On y va. Oh. On y va. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu es très belle. Ça fait 3 ans déjà et rien n'a changé depuis la dernière fois que je t'ai vue. En fait, tu es même devenue encore plus belle. Est-ce pour ça que tu m'as appelée ici? Si tu n'as rien d'autre d'intéressant. Un instant, Edna. Edna. Quoi? Edna! Wow! Dansez ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que tu m'as menti pour la première fois? Non, non, c'est mon ex, oui, Mike. Mike, ton ex! Je ne sais pas pourquoi tu traînes encore avec lui et pourquoi tu m'as menti quand tu sortais avec tes copines. C'est parce que je suis son mari et nous avons prévu de nous remettre ensemble. Peux-tu arrêter? Ce n'est pas vrai. Steve, ce n'est pas ce que tu crois. Très bien, c'est bon. J'aurais dû me rendre compte que tu n'étais pas différente des autres femmes. J'aurais dû m'attendre à ce que ceci arrive. Steve, je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, me touche pas. Expliquez quoi? Que tu m'as menti? Ou bien que ce n'est pas vrai? M'expliquez quoi? Eh, tu sais quoi? Garde tes excuses pour toi. Edna, Edna! Steve! Steve! Très bien. Meuf, il y a ce nouveau modèle que j'ai vu sur le net. C'est tellement beau! Avec une fente sur le pied droit. Écoute, le prochain mariage auquel j'assisterai, c'est ça que je mettrai. Mais je sais. Est-ce que tu vas mettre l'accent sur la fente, genre extra? Bien sûr, pourquoi pas. Je dois montrer toute cette forme, tu sais. Et oui, il faut qu'il remarque. Voilà. Oh, Mike. Allô? Oh, calme-toi. Sois calme, calme-toi. Mike, ok, d'accord, j'arrive. Qui était-ce? Mike. Mike? Il dit qu'il veut me voir urgemment. Urgemment? Et pourquoi? J'en sais rien. Il avait l'air triste au téléphone. Donc tu vas le voir.
Oui, peut-être que le Ranka ne s'est pas bien passé. C'est Mike. Pourquoi irais-tu le voir? C'est le mari de notre ami. Ex. Allez, je dois aller voir ce qui ne va pas chez lui. Un instant, je vais me changer et on sortira ensemble. Ok. Je ne comprends pas. Tu veux dire que ma Edna est en relation avec ce type? Il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner dans cette vie. L'amour ne pardonne pas certaines choses, ok? Ok, Anita, je sais que j'ai vraiment déconné dans le passé, mais... j'ai réalisé mon erreur. Et je veux reconquérir ma femme. Je voudrais retrouver ma fille, retrouver ma famille. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour les retrouver. Vraiment? Oui. Pourquoi as-tu pris autant de temps pour revenir? Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour demander pardon à ta femme? Ça fait 3 ans que tu as laissé ta femme et ta fille pour t'en aller avec une autre femme. Tu t'attendais à quoi? Qu'elle reste célibataire? Mais allez! Anita, je sais que j'ai merdé. Je voudrais juste retrouver ma fille et ma femme. Pourrais-tu, s'il te plaît, lui parler pour moi? Juste, dis-lui que j'ai vraiment changé. Plus jamais de ma vie, je ne la tromperai. Je veux dire, mon cœur bat pour elle, Annie, s'il te plaît. Je ne te promets pas que je réussirai, mais je lui parlerai. S'il te plaît, parle-lui. Lucie, pourquoi tu ne dis rien? Que veux-tu que je dise? Tu dois être patient, ok? Pourquoi est-ce qu'elle me dérange? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me laisser tranquille? Ah! Pourquoi Steve ne décroche pas? Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas mes appels? Qu'il décroche au moins pour que je puisse m'expliquer? S'il te plaît, donne-lui du temps. Il reviendra. Quand? Bientôt. Ok? Écoute, je comprends ce que tu endures. Je t'assure. Mais est-ce que pour Steve, tu dois te suicider? Maman, je préfère mourir que de vivre sans Steve. Que tu t'en prie, Eve. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh! Tu accordes plus de valeur à un homme qu'à ta vie? Hein? Alors, si tu meurs maintenant, que deviendra Kiki? Qui prendra soin de lui? Car j'ai pris soin de mon enfant et c'est toi. Et tu devras aussi prendre soin de ton enfant. Qu'il décroche. Oh. Edna. Edna? Allô? Je t'ai dit de ne plus m'appeler. N'as-tu pas déjà fait assez de mal? Reste loin de moi. Arrête de m'appeler. N'importe quoi. Ah! Edna?
Edna? Edna! Edna! Où est-elle? Que signifie tout ceci? Elle nous a échappé. Où va-t-elle? Je n'arrive pas à croire qu'Edna nous a fait cela. Écoute, moi je n'ai pas le temps pour ceci. Oh. Je dois aller à ma boutique. Je retourne chez moi, s'il te plaît. Je pense que nous devons aller chez elle l'attendre. Ok, pardon. Edna, pourquoi est-ce que tu t'infliges tout ceci? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Lucie, ce n'est pas le moment. C'est le meilleur moment. Pourquoi se comporte-t-elle comme une môme? N'ose plus me traiter de môme. Tu te comportes exactement comme telle. Pour un type qui pourrait encore te quitter. Si j'ai folle. Et je... Tu sais quoi? Je ne veux pas avoir cette conversation avec Lucie, toi. Lucie, j'en ai marre de ça. Lucie! Edna, écoute ce que j'ai à te dire. Edna! Edna! Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. S'il te plaît. Allez. Nous sommes tes amis, ok? Nous voulons juste t'aider. Je t'ai entendu. Hey. J'ai dit que je t'ai entendu. Nous devons parler. Lucie! Je t'ai entendu. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé. Désolé pourquoi? Je suis désolé de venir chez toi à l'improviste. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix parce que tu ne décroches pas mes appels. Edna, s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper auprès de toi et ma fille, s'il te plaît. C'est trop tard. Je suis avec quelqu'un d'autre et je suis très heureuse. Et l'amour que nous avons partagé? Ce qu'il y avait entre nous,
Tu l'as jetée à la poubelle quand tu enceintais notre ménagère. J'ai dit que je suis avec quelqu'un d'autre et tu es placée là à nous parler d'amour. Edna, s'il te plaît, juste un instant. S'il te plaît, dégage de ma cour. Edna. Salut, ma puce. Désolée de t'avoir fait attendre. Ce n'est pas grave. Je tenais à m'excuser pour hier. J'étais très en colère et hors de contrôle et... En fait, je n'étais juste pas d'humeur. Je ne comprends pas. J'ai essayé de savoir ce qui t'est arrivé et pourquoi tu réagissais ainsi. Je suis allée à l'hôtel de Steve et il n'y est plus. Oh! Je ne sais quoi faire pour le retrouver. Edna. J'ai l'impression que... Je ne sais pas. Oh, Edna. Edna, tu dois te calmer. Si tu ne le fais pas, tu vas encore sombrer. Tu risques déprimer. Tu dois te remettre en question pour ta fille. Pour ta mère, pour toi-même, s'il te plaît. Okay. Écoute, Steve reviendra, d'accord? Tout redeviendra comme avant, d'accord? S'il te plaît. Okay. Mike, qu'est-ce que tu veux? Pourrais-je te parler, s'il te plaît, Lucie? Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée par ce que tu as à dire. Alors écoute-moi juste, s'il te plaît. T'as simplement à m'écouter. Pourquoi? Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu penses que je ne sais pas ce qui te pousse à vouloir reprendre Edna? Tu penses que je ne sais pas que cette fille pour qui tu l'as abandonnée t'a abandonnée à son tour avant de s'en aller à l'étranger? J'ai raison, n'est-ce pas? J'ai des yeux et j'ai des oreilles dans toute cette ville. Alors, il n'y a rien que tu puisses me dire. Si ça ne te dérange pas, sors de mon domicile. Écoute, Lucie, je sais que j'ai commis des erreurs. Mais c'est le passé. Je te jure que j'ai changé. Aide-moi juste à parler à ton ami, s'il te plaît. Lucie! J'espère que je n'en fais pas trop. Je ne savais pas que j'étais si amoureux d'Edna jusqu'à ce que je la trouve avec un autre homme. Mais... mon problème est que, pour quelle raison irait-elle dans mon dos pour sortir avec son ex? Et elle m'a menti qu'elle sortait avec ses amis. Pourquoi, Edna? Pour quelle raison veux-tu briser mon cœur? Et tu t'es remis avec cette même personne qui t'a trompé. Ce même homme qui t'a laissé pour une autre femme. Cette même personne qui t'a blessé par le passé. Non. Tu dois juste écouter ce qu'il veut te dire. Non! Tu avais dit la même chose et je suis allée écouter ce qu'il avait à dire. Regarde où ça m'a mené. Je suis sur le point de perdre un homme qui m'a tout donné à cause de ce semblant d'homme. Cet homme qui m'a abandonné avec ma fille quand nous avions le plus besoin de lui. Tu penses que je vais laisser un homme qui m'aime pour celui qui m'a abandonné? Vraiment? Je ne te demande pas de retourner avec lui. Accorde-lui juste une oreille attentive pour qu'il puisse t'expliquer ce qui s'est passé. Je ne suis pas intéressée par ce qu'il a à me dire. Je ne le suis pas. Écoute, je veux Steven.
C'est lui que je veux. Je pense que tu devrais utiliser toute cette énergie pour m'aider à lui parler. Waouh. Donc, tu ne veux plus de Mike? Oui. Oui. S'il te plaît. Arrête, arrête de me faire parler avec lui. Ok. Je veux juste que tu sois heureuse. Ok? Mike? Pourquoi est-ce que Mike m'appelle? Allô, Mike? Ouais, je venais juste de sortir pour acheter quelques trucs. Tu veux me rencontrer? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Ok. Vu que tu dis que c'est urgent, je te verrai dans une heure. D'accord. Sans problème, bye. Allô, ma puce. Comment tu vas? J'espère que tonton Roland prend bien soin de toi. Ah, ne t'en fais pas, grand-mère sera bientôt de retour. Tu veux lui parler? Ok. Allô, ma princesse. Je vais bien. Ok, je parlerai à ta mère. Et en attendant, sois sage, ok? Je ferai attention. Ok, bye. Oh, ta fille est vraiment un ange. Elle est. Ma fille, ne penses-tu pas que tu devrais réfléchir? Quoi? Elle n'apprécie pas le fait de recevoir ses leçons à la maison. Maman, tu sais pourquoi je le fais. Je ne voudrais pas que Mike la kidnappe à l'école. Tu sais à quel point il est désespéré. Je le sais, mais pendant combien de temps vas-tu la garder à la maison? Jusqu'à ce que je sois sûre qu'elle est en sécurité. Oui! Tu sais ce que j'ai enduré durant ces 3 dernières années. S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Je ne veux plus parler de ça. Ce que tu me demandes de faire est compliqué, Mike. Tu as profondément blessé ma sœur, tes actes encore plus. Sais-tu à quel point c'était pénible de regarder ma sœur passer des nuits blanches à pleurer? Le plus difficile, c'était quand ta fille et ta femme pleuraient l'une contre l'autre. Ta fille ne sait pas pourquoi tu l'as abandonnée. Roland, je sais que j'ai merdé, j'en suis désolé. Mais s'il te plaît, aide-moi à parler à ta sœur, dis-lui que j'ai vraiment changé. Je suis prêt à faire tout ce qui sera nécessaire pour réparer mes erreurs du passé. S'il te plaît. Ok. Je lui parlerai, mais je ne la pousserai pas à prendre une décision qu'elle regretterait plus tard. Non, je t'assure qu'elle ne regrettera rien. Parle-lui pour moi, s'il te plaît. Et une dernière chose. S'il te plaît, donne-moi l'adresse de grand-mère. Il faut que je voie ma fille. Non, je ne peux pas. Ok. Donne-moi son numéro. Je veux dire le numéro de grand-mère. Je dois parler à ma fille, s'il te plaît. Je dois d'abord demander la permission à ma sœur. Très bien. Ok, je dois m'en aller. D'accord. Edna, ne décroche pas mes appels. Oui, j'irai la voir à son bureau. D'accord, ouais. Tu veux venir? Ok. Disons dans une heure.
Non, 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 non. Rien d'important. Je vais te rejoindre, je vais te rejoindre. D'accord, ça marche. D'accord, ma puce. Au revoir. Salut, ma belle, quoi de neuf? Je vais bien, ma puce. Je suis ici depuis plus de 30 minutes et Edna est introuvable. À cette heure? Ne trouves-tu pas cela étrange? Je t'assure, nous savons tous que Edna ne s'amuse jamais avec son travail. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'espère qu'elle va bien. Je l'espère aussi. Ok, pourquoi ne pas aller chez elle? Ok. Bonjour. Bonjour, Edna. Bonjour, Edna. Comment tu vas? Oh, misérable, comme vous pouvez le voir. Allez, Edna. Tu ne dois pas mettre ta vie en pause parce qu'un homme cesse de te parler. Lucie, c'est parce que tu n'as jamais été amoureuse. Si tu avais été amoureuse, tu saurais combien ça fait mal quand une personne que tu aimes cesse de te parler. Si c'est à ça que ressemble l'amour, alors ça ne m'intéresse pas. Edna, je te comprends, mais tu ne dois pas mettre ta vie en pause. Je comprends que tu ne veuilles pas décrocher nos appels ni répondre à nos messages. Mais pourquoi ne pars-tu pas au travail? Écoute, regarde le bon côté, ce n'est que passager. Ça pourrait être un moyen pour que ton mari et toi vous remettiez ensemble. Que Dieu m'en préserve! Je ne me remettrai jamais avec une personne qui m'a abandonné ma fille et moi quand nous avions le plus besoin de lui. Waouh. C'est encore plus grave que je ne le pensais. Ma sœur, fais absolument tout ce qui te donne la paix du cœur, ok? Merci. Et en passant, est-ce que tu as mangé quelque chose? Non, je n'ai pas vraiment d'appétit. Ok, alors monte à l'étage, change-toi et allons chercher quelque chose à manger. Lucie, je ne veux pas sortir. C'est bon. Lucie et moi allons te préparer quelque chose à manger dans la cuisine, ok? Allez-y. Mais elle a besoin de sortir. Elle doit respirer un peu d'air frais. C'est bon. Allons préparer quelque chose dans la cuisine. D'accord? Merci. Viens, allons-y. Allons-y. Tu fais? Je veux aller à l'école. Je veux plus que mon répétiteur me donne des cours à la maison. Ah ah, est-ce pour cette raison que tu fuyais comme si un monstre te suivait? Ne vois-tu pas les autres enfants aller à l'école? Ne vois-tu pas les autres enfants aller à l'école? Allez, viens. Viens. Ne t'inquiète pas, tu iras à l'école. Je vais parler à ta mère et puis on verra quoi faire. Ok. Ah ah, tu as failli me causer une crise cardiaque. Allez, viens. J'espère que, tu sais, tes affaires se passent bien. Ouais, je vous okay. sens. J'aime entendre ça. Je Edna, suis si heureuse pour toi. Oui. Je dois m'en aller. Pourquoi? Je dois retrouver un client dans 30 minutes. Oh, ok. Lucie? Oui. Prends soin d'elle, ok? Bien sûr que je le ferai. Ok, merci beaucoup pour tes soins et ton attention. Allez. À quoi servent les amis? Au revoir, travaille bien. Je souris. Souris. Je souris. Au revoir, ma puce. Au revoir. Ok, bye. Alors, attends un instant, j'arrive, ok? Ok. Je reviens.
Bonjour, Sourette. Que fais-tu ici? Que fais-tu exactement ici? Calme-toi, Sourette. Je sais que je t'ai pris de l'argent l'autre jour, mais calme-toi. C'est l'argent de ma sœur que j'ai pris et non d'un inconnu. Alors tu veux prendre encore de l'argent, c'est ça? Je n'en ai pas. Loin de là, Sourette. Je suis venu parler de quelque chose d'important avec toi. Si tu veux parler de l'une de tes affaires, je n'ai pas d'argent pour ça. Je ne peux pas investir dans ça. Ce n'est pas pour les affaires, Sourette. C'est à propos de Mike. S'il te plaît, je t'en prie pour l'amour d'eux, quel que soit ce que tu sers. Je ne veux pas parler de lui. Oh, Sourette, je sais qu'il t'a fait du mal dans le passé. Mais Mike est un homme différent maintenant, tu sais. Je m'en fous de s'il a changé ou pas. Écoute, dis-lui que tout ce qu'il y a eu entre nous, c'est du passé. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre, qu'il arrête de me déranger. Oh, Sourette, peux-tu juste le comprendre et le faire pour ta fille? N'ose même pas. N'ose plus te placer devant moi pour me parler de ma fille. Tu sais comment il m'a maltraitée. Et maintenant tu viens ici pour me parler de lui? S'il te plaît, je ne veux plus avoir cette conversation. Sourette, s'il te plaît. Ne me touche pas. Sourette. S'il te plaît. Peux-tu imaginer? Calme-toi, Sourette. Bonjour, Mike. Écoute, je vais t'avertir. Et ce sera bien la première et la dernière fois. Éloigne-toi de ma femme. Elle est à moi. Et à moi tout seul. La prochaine fois que je te verrai près d'elle, tu vas t'en vouloir. Pour te dire la vérité, ce genre de petite menace ne m'effraie pas. Appelle ça comme tu veux. Mais si tu continues d'être un obstacle sur mon chemin, tu peux compter sur moi pour te traquer comme une bête, exactement comme aujourd'hui. C'est drôle, n'est-ce pas? Non, juste, excuse-moi. Ce n'est pas une menace. Merci d'avoir honoré mon invitation. Toi et moi ne sommes pas si proches que ça. Mais je t'ai appelée ici à cause d'Edna. Depuis la dernière fois que tu l'as vue avec son ex, elle n'est plus elle-même. Elle est désespérée. Elle ne mange plus. Elle ne se douche plus. Elle ne part même plus au travail. S'il te plaît, Steven, je t'en supplie. Écoute ce qu'elle a à te dire. Je sais que ton ami m'aime. Et oui, je l'aime aussi. Mais écoute, je ne comprends pas pourquoi c'est si bien habillé pour aller voir son ex. Mike! Lucie, tu aurais dû voir ce qu'elle a apporté. Je crains qu'elle ne me cache quelque chose. Car Mike m'a dit qu'ils allaient se remettre ensemble. Cela n'arrivera jamais. Edna l'a bien précisé, c'est toi qu'elle aime. S'il te plaît, Steven, réconcilie-toi avec elle et aide-la à reprendre sa vie. Écoute quelque chose à moi, me demande de te croire. Mais, et si Mike finissait réellement par gagner son cœur? Et si jamais, en fin de compte, tu gagnes son cœur? Mets tes craintes de côté et va te battre pour la femme que tu aimes. Oui, fais-le. Je le ferai. Merci encore d'être venu. Merci. Je dois partir maintenant.
si jamais, en fin de compte, tu gagnes son cœur, mets tes craintes de côté et va te battre pour la femme que tu aimes. Oui, fais-le. Salut! Comment es-tu entrée? Allez, réveille-toi, ma petite chérie. Le petit déjeuner est prêt. Bébé, quand es-tu réveillée pour préparer tout ceci? Tu aurais dû me réveiller, je t'aurais suivi à la cuisine. Oui, je sais, mais tu dormais comme un ange et je ne voulais pas te réveiller. En plus de cela, ma chérie, je voulais t'apporter le petit déjeuner au lit. C'est pour ça que je t'aime, tu es si attentionnée. Allez, mangeons. Donc tu vas me nourrir maintenant? Bien sûr que oui. Ok. Je veux du jambon. Ah ouais, j'ai oublié le jambon. Ok, ouais. Prends-en du café, chérie. Oh, bébé. Merci. Tu aimes? Ah, je ne l'ai pas encore bu. Au moins, je t'ai apporté le petit déjeuner. Au lit, chérie. Du café et de l'eau. Mais pourquoi moi? Tu as mis tellement d'eau dans ce café. Tu es si belle. Prends aussi ce récipient. Allô? Ah! Ma jolie cliente, comment est-ce que tu vas? Lucie, où sont mes habits? Allez, calme-toi, hein? Ton habit est déjà prêt. Écoute, mes couturiers t'ont fait un chef-d'œuvre. Quand tu verras ce vêtement, tu seras très contente. Lucie, tu m'as menti de nombreuses fois. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Calme-toi, hein? Écoute, à l'instant où je te parle, je suis en train d'aller chez toi pour te livrer ce vêtement. Écoute, cet habit est tellement magnifique. Tu l'auras aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Lucie. Ne t'en fais pas. Je te le promets. Tu l'auras aujourd'hui. Ok? Calme-toi. D'accord. Je comprends. J'ai compris. Ok. Merci. Lucie! Lucie, où sont mes habits? Tu es vraiment très jolie aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie. Où sont mes habits? Actuellement. En fait, ton habit est déjà prêt, mais il y a quelques retouches à faire et mes couturiers vont l'arranger. Tu sais, comme un chef-d'œuvre. Nous voulons te donner un chef-d'œuvre. Lucie, penses-tu que je suis en train de jouer avec toi? Tu me prends pour une folle? Lucie, je sors justement de ton atelier. Et mon tissu n'est pas encore coupé, intact. Je suis désolée. Écoute, nous sommes submergés par le travail. Ah! Je suis désolée. Écoute, nous allons travailler dessus toute la nuit, je te le promets.
Dès la première heure demain matin, tu auras ton habit. Et ça sera un chef-d'œuvre. Venant de la toute-puissante Lucie, et les fausses promesses que tu m'as faites plusieurs fois, Lucie, je te craquerai partout. Hey, Seigneur. Dans les réseaux sociaux. Lucie, je vais détruire ta carrière. Tu penses que tu peux t'amuser avec moi, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir jouer avec moi? Depuis combien de temps t'ai-je donné mes tissus? Combien de temps? Ce n'est pas ça. Hein? Nous allons le coudre. Nous sommes submergés par le travail. Yeah. Tu connais cette période. Hey. Nous avons trop de travail. Hein? Tu le sais, non? Tu le sais très bien. Je veux te réaliser un chef-d'œuvre. Mm-hmm. C'est pour cette raison que je prends mon temps pour te coudre ce vêtement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons. Je te ferai un chef-d'œuvre. Arrête de mentir et admets-le. N'importe quoi, menteuse. Allô? Ma jolie cliente. Écoute, mon livreur personnel est en chemin actuellement. Je viens de lui donner ton habit. Oui. Non, ne t'en fais pas. Cette fois-ci, je viens de lui donner. Il vient tout juste de quitter ma boutique. Dans à peu près 2 heures de temps, il sera sûrement chez toi. Ah, tu ne fais plus confiance à Lucie. Ne t'en fais pas. Écoute, c'est une promesse. Dans 2 heures, tu recevras ton vêtement. Dans 2 heures. Ah, ah. Ne sois pas fâchée. Calme-toi, hein? D'accord. Comment ai-je pu manquer tous ces appels? Je vais le rappeler, peut-être qu'il a du nouveau pour moi. Ouais, salut, j'ai manqué tes appels alors... Ouais, j'ai pas entendu sonner. As-tu du nouveau pour moi, s'il te plaît? Quoi? Ok, je me mets en route, j'arrive. Tout de suite, j'arrive. Quoi? Oui, Chief. Oui, dites-moi. Ce n'est pas... Écoutez, j'avais un client. Depuis 18 mois que j'essayais de convaincre d'acheter ce terrain. Et maintenant, 18 mois après, ce terrain vaut 30% plus cher. Je vous assure, c'est 3000 mètres carrés. C'est une terre sèche, ne vous en faites pas. Oui. Oh, allez, Chief, c'est une terre sèche. Croyez-moi, vous pouvez l'acheter. Oui, vous pouvez construire là-bas, c'est dans un très bon endroit. Oui. Chief, vous n'avez pas à vous en faire, je ferai les documents pour vous. Croyez-moi. Envoyez-moi juste votre assistante et tout sera fait. D'accord, Chief. Comment va la famille? Ok. Je les salue. Merci beaucoup, monsieur. Passez aussi une bonne journée. Bye. Oh. Oh. Trop de soucis dans cette ville. Oh non, putain. Oh ouais. Comment es-tu entré ici? Je croyais t'avoir dit de rester loin de ma femme. Elle était ta femme. Mais tu t'es joué d'elle. Maintenant, elle est à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, écoute très bien, jeune homme. Tu peux partir. C'est une blague, c'est ça? Écoute, la dernière fois, je ne blaguais pas quand j'ai dit ce que j'ai dit.
T'as l'air d'un clown. Ok, Mike, je n'ai pas le temps pour me curer là avec toi, mec. Comme je te l'ai dit, la porte est ouverte. Mais sinon... Mike, j'ai dit va-t'en. Mais si je ne pars pas, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Vas-y, fais ce que tu veux, je suis là! Chérie, qui c'est? Chérie, c'est Mike. Il est venu chercher son amour perdu. Mais t'inquiète, chérie, je m'en occupe. Mike, je suis sûr que tu ne voudrais pas qu'elle vienne te trouver en train de vociférer comme un petit chien. Peu importe, comme je l'ai dit, s'il te plaît, allez, va-t'en. J'ai gagné. Bravo, ma fille. Mon oncle, sais-tu ce que grand-mère a dit? Qu'est-ce que grand-mère a dit? Alors, qu'est-ce que grand-mère a dit? Bienvenue, grand-mère. Comment tu vas? Bienvenue, grand-mère. Ok, grand-mère. Mon bébé, comment tu vas? Qu'est-ce que grand-mère... Comment ça s'est passé? C'était bien. Waouh. Devine quoi, nous avons une très bonne nouvelle. Waouh. Le candidat au gouvernement de notre parti m'a nommé en tant que prochain leader des femmes. C'est très génial. Oui. Maman, j'amènerai Kiki chez Edna demain. D'accord, l'as-tu dit à ta sœur? Ai-je besoin de la prévenir avant de bien venir? Bien sûr, c'est ce à quoi servent les téléphones. Tu dois l'appeler pour la prévenir. Et si elle n'était pas là, alors que feras-tu? Peut-être tu devrais donc l'appeler toi-même. Kiki, continuons notre jeu. C'est ton tour. Donc tu ne vas pas appeler ta sœur? Non. Ok, je vais l'appeler. Oui. Kiki, ma puce, tu t'amuses, tu te sens très bien. Ok, amuse-toi très bien. Regarde la carte que tu as prise. On dirait que tu avais un fantôme. Est-ce que tout va bien? Rien ne va, Lucie. Comment est-ce que ça pourrait aller quand un putain de gars m'a volé ma femme? Mais il ne l'a pas arrachée. Tu as abandonné Edna parce qu'elle n'était pas assez bien pour toi. Et maintenant, tu ne supportes pas la voir heureuse avec un autre homme. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ces hommes? Je ne suis pas venu ici pour que tu me méprises. Je suis venu pour que tu plaides pour moi. Parce que je suis à ça de perdre la tête. J'étais chez Edna. Et j'ai vu ce connard là-bas. Je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. Lucie, aide-moi s'il te plaît. J'ai besoin de retrouver ma fille et ma femme. S'il te plaît. Je ne peux vraiment pas faire ça. Écoute, le bonheur de mon amie est plus important pour moi. Et si elle est heureuse avec Steven, alors ils ont entièrement mon soutien. Je croyais que tu étais de mon côté. Je l'étais. Mais maintenant, je suis fière d'être de celui de Steven. Maman? Oui, bébé. Qu'en est-il de papa? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu me voir? Il me déteste au point où il ne veut pas venir me voir. Non, princesse. Je t'ai dit plusieurs fois que ton père t'aime. Il t'aime tellement et ne peut plus attendre pour te voir, ok? Oui. S'il m'aime, alors pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir? Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'appelle pas? Bébé, il viendra te voir bientôt. Après son voyage, il viendra, ok? Ok, mais appelle-le. Je veux lui parler. Tu veux que je l'appelle? Oui. Mais ma puce, il est... Ton père est à la mer. Elle ne peut pas utiliser son téléphone. Oh, j'ai faim. Laisse-moi aller chercher une glace. Puis-je t'accompagner, s'il te plaît? À une seule condition. Quelle condition? Approche. Oui! Ok, Sylvette. À plus tard. Soyez sage. Ouais. Et garde-moi, Kiki. Ok. Roland me met souvent la pression, mais il sait comment gérer ma fille. Je suis sûre qu'il sera un très bon père un jour. J'espère qu'il trouvera une fille qu'il acceptera avec ses défauts.
Moi, estime-toi heureux d'être encore en vie cette fois. Tu ne seras pas aussi chanceux la prochaine fois. Attends. Putain de bâtard. Je m'en voudrais toujours d'avoir laissé passer l'opportunité de t'éliminer de la surface de la Terre. Merde! Ce type ne veut pas que je sois heureuse ou quoi? Attends, il a foncé vers toi avec l'intention de te tuer? Oui, et il s'est permis de dire que j'ai eu de la chance cette fois-ci. Que la prochaine fois, je ne serai pas si chanceux, peux-tu imaginer? Oh bébé, c'est pour ça que je t'ai dit de ne plus prendre les transports publics. Si tu avais pris l'une de mes voitures, tout ceci ne serait pas arrivé. Chérie, il ne s'agit pas de conduire ou pas. Ce mec-là, il en veut à ma vie. Je suis sûr qu'il me serait rentré dedans. Écoute, chérie, je pense que tu devrais faire attention. Et aussi être très vigilant. Parce que ce mec-là, il en veut à ma vie, chérie. Je pense que je devrais aller au poste de police. Porter plainte pour demander un ordre de restriction. Oui, ok, chérie, c'est une très bonne idée. Je m'en voudrais si quelque chose venait à t'arriver. Ok, tu sais ce que nous allons faire. Nous irons à ton hôtel, prendre tes affaires et tu viendras vivre ici. Ok, chérie, pas de problème. Laisse-moi prendre les clés de la voiture. Chérie? Et vous? Qui êtes-vous? La question devait plutôt être qui êtes-vous et que faites-vous dans cette maison? Je vous demande qui êtes-vous. Et je vous demande qui vous êtes-vous. Ok, je m'appelle Steve. Steve? Et que faites-vous ici? Chérie? Oh. Vous êtes ce fils de pute, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes ce fils de pute qui emmerde ma sœur! Vous venez de m'insulter? Oh, je pense que je sais qui vous êtes. Vous en faites pas, mec. J'ai pas le temps à vous accorder. Et devine quoi, mec? Je ne perdrai pas mon temps avec toi. J'ai les yeux sur vous. Vos plans ne marcheront pas. Chérie? Oui, j'ai entendu que je me sens si bien avec toi. Es-tu sûr? Tu me regardes étrangement, chérie. Mais bien sûr. Arrête de te plaindre, ma chérie. Bébé. Tu vas bien? Bébé? Ce mec, il veut vraiment te reprendre à moi. J'ai l'impression de mener une guerre perdue d'avance. Bébé, regarde-moi. Mais regarde-moi. Je t'aime. Et personne ne m'arrachera à toi. Ok? Promis? Je te le promets. J'ai peur là. Arrête d'avoir peur. J'ai pas peur. Tu as peur de qu'on m'arrache. À qui? À lui. On va mourir ici. Promis. On va vivre ici. J'arrive. Oh. Bienvenue, ma puce. Coucou, ma puce. Tout va bien? Oh. Est-ce que tout va bien? Pourquoi as-tu l'air désespérée? Je vais bien.
C'est juste cette affaire de viol que j'ai eue au bureau aujourd'hui. Et cette fille est mineure. Quel âge a-t-elle? Elle a juste 7 ans. Et son violeur? Il a 31 ans. Oh mon Dieu! Cet homme mérite une mort lente et douloureuse. J'espère qu'il a été arrêté. Oui, c'est le cas. Et je ferai tout mon possible pour qu'il ne voie plus jamais la lumière du jour. Bien. Les violeurs d'enfants sont les pires. Ils ne méritent pas de vivre parmi les humains. Je t'assure, certains hommes sont des racailles. En fait, qu'est-ce qui peut l'attirer sur le corps d'une petite fille? Seigneur, en fait, on ne sait même plus à qui faire confiance. Oh, et dire que je reçois ce genre d'affaires presque tous les jours. Mais je me dis que rien ne me surprendra. Et le lendemain, tu reçois une affaire. Et elle est encore plus pire que la précédente. Nous ne pouvons plus laisser nos enfants avec n'importe qui. Je ne comprends pas. C'est juste incroyable. Je me demande ce que devient ce monde. Ce monde devient déjà autre chose. Oh mon Dieu! Il mérite d'être castré, crois-moi. Arrêtons de parler de ceci, s'il te plaît. Que voudrais-tu boire? Je veux un jus d'orange frais, s'il te plaît. Un jus d'orange frais qui va le presser pour toi. Toi, voyons. Je vais t'apporter du jus en bouteille. S'il te plaît, je veux du jus. Dépêche-toi, ma puce. Dépêche-toi. Tu me suis. Je t'ai dit que c'est fini, je ne veux plus rien. Laisse-moi tranquille. Juste... Laisse-moi tranquille. Juste une seconde, s'il te plaît, écoute-moi. Va quand tu as mené ta vie. Edna, s'il te plaît, Edna. Une seule chance, je te le promets, je ne te décevrai plus. S'il te plaît. Ah. Salut. Hey. Chérie. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Bah, il n'en est pas question. Cela suffit Mike. Maintenant. Pour qui est-ce que tu Mais te prends? Pour qui te prends-tu? Pour qui est-ce que toi tu te prends, hein? Pour qui te prends-tu? Tu n'as rien à faire ici. Comment oses-tu te pointer chez ma femme et la demander en mariage? Ton ex. T'es sérieux là, mec? Mec, pour qui te prends-tu? Et toi donc, qui crois-tu être? Mike, écoute, n'ose plus me toucher, mec. Ne repousse jamais tes mains sur moi. Si jamais tu oses encore faire ça, tu vas faire mon rejet, si je te préviens. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrête ça, Mike! Quel est ton problème? Tu veux te battre pour une femme qui n'est pas amoureuse de toi? Tu as tout gâché! Tu devais te remettre en relation avec elle juste pour éponger tes dettes. Mais il est évident que tu l'aimes encore. Que fais-tu de moi? Ah, Anita, de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Mike et moi entretenons une relation depuis 4 ans. Puis même quand il était encore marié à Edna. Il m'a dit qu'il devait se remettre avec elle parce qu'il voulait rembourser ses dettes. Attends. Tu sortais avec mon mari pendant qu'on était mariés? Désolée, oui, je le faisais. Je ne veux pas le voir avec une autre femme. J'étais très amoureuse de lui et je le suis encore. Il est revenu en me disant qu'il voulait te prendre de l'argent. J'avais peur au début, mais j'étais d'accord. Mais son comportement me met hors de moi. Je n'arrive pas à y croire. Anita. Donc tu faisais semblant durant tout ce temps. Et pourtant, tu étais la cause de tous les problèmes d'Edna. Oh mon Dieu. Tu es diabolique. C'est diabolique. Tu peux me traiter de tous les noms. Mais je ne suis pas la seule à faire semblant. Steph, chérie, tu vas leur dire ou bien je dois parler. Steph, de quoi est-ce qu'elle parle? Actuellement, j'ai été payé par Anita pour décider de sortir avec toi. Pour qu'elle puisse avoir Mike, rien que pour elle.
Donc... Dave... Souviens-toi de la première fois qu'on s'est rencontrés au bar. Ça fait vraiment du bien de venir se détendre ici. Ça fait du bien. J'ai fermé le bureau pour un moment. Meuf, je ne pouvais pas manquer ça. Ce gars ne cesse de te regarder depuis qu'il est arrivé. Écoute, je ne suis intéressée pas au conhomme actuellement, Biko. Allez. Donnez-moi juste un verre de vin, d'accord? Il est mignon. Je n'ai rien vu. Je ne suis pas intéressée. Oh, mais laisse-toi aller. Me laisser aller. Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait tout planifié. Je suis désolée. S'il te plaît. Je n'arrive pas à le croire. Je savais que ce gars ne te voulait pas du bien. J'arrive pas à croire que tu aies choisi ce loser au lieu de moi. Il t'aime pas. Il essayait juste de t'éloigner de moi pour que ton ami puisse m'avoir pour non, elle. Toi, reste juste en dehors de ça. Et toi, tu n'es qu'une pétasse. Tu vas le regretter. Je voudrais que tout le monde s'en aille. S'il te plaît, Steve, reste loin de moi. Va-t'en. Va-t'en. Jésus-toi. Oh Seigneur. Es-tu conscient d'avoir ruiné mes plans en ouvrant ta grosse gueule? Que voulais-tu que je fasse? Vu que tu ne suivais pas le plan. Il est évident que t'es amoureux d'Edna. Oui. J'aime ma femme. La voir avec cet homme m'a rendu jaloux. Aucun homme ne voudrait voir sa femme avec un autre homme. Ton ex-femme. Je suis encore marié. Oh, pardon. À ce que je sache, ses parents ont remboursé la dot. Écoute, c'est ma femme. Et je veux qu'elle revienne. Et je ferai tout ce que je peux pour la récupérer. Moi? Qu'en est-il de moi? Que vais-je faire? Écoute, Anita, je suis désolé. Désolé pour toutes ces années gâchées. Mais j'aime Edna. Désolé d'avoir joué avec tes sentiments tout ce temps, mais je ne t'aime pas. Tu m'as dit que tu m'aimais et que tu voulais passer le restant de tes jours avec moi, Mike. Je sais, mais je mentais. Je t'ai menti. Et je ne tiens pas à te blesser davantage en continuant à te mentir. Je suis vraiment navré. Anita, c'est fini maintenant. Désolé. Mike. Mike. Mes plus grosses craintes m'ont rattrapé. Steve, pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité?
Peut-être qu'elle m'aurait compris et me pardonner. Maintenant j'ai perdu ce qui était le plus important pour moi. La seule dont j'étais vraiment amoureux. Pourquoi ? Stephen, pourquoi ? Pourquoi ? Hey ! Pourquoi n'ai-je pas de chance ? Pourquoi suis-je si malchanceuse ? D'abord c'était Mike et maintenant Stephen. Stephen que je pensais m'aimer de tout son cœur et je me rends compte que je jouais dans un scénario écrit par mon ami. Pourquoi ? Edna, ça ira. Hein? Ça ira, tu ne peux pas continuer à t'infliger tout ça. Hein? Essaye de te reposer et de dormir un peu. Je ne peux pas dormir. Comment dormir ? Mon cœur est brisé en mille morceaux. Je ne peux pas dormir. Ça ira. Stephen. Hein? Tout ira bien. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. Alors, tu vas utiliser la broderie blanche pour faire le contour, ok? Oui. Est-ce que c'est blanc ou doré? Du doré sera mieux. Ah bon? Oui. Le blanc sera parfait pour nous. Ok, continuons. Que suggères-tu? Continuons juste à travailler. Ne t'inquiète car pas. Il n'y a plus beaucoup de temps. D'accord, sans problème. Baba, dans peu de temps, j'aurai... Es-tu encore en train de couper? Est-ce que la commande sera prête à temps? Hey. Il n'y a plus de temps, s'il te plaît. Mais tu vas te couper aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il vous plaît, j'ai besoin que vous travailliez très vite. Delay, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que personne n'est assis ici? Bonjour, Lucie. Bonjour, Stephen. Stephen, je suis occupée. Je n'ai pas de temps pour des plaisanteries. Va droit au but. Je... S'il te plaît, pouvons-nous causer un aparté? Je voudrais juste me confier à toi. Ok, donne-moi une minute. Baba, s'il te plaît, continue de couper. Assure-toi que les employés continuent à coudre. Je n'ai pas le droit de perdre mes clients, tu le sais ça. Je serai de retour dans quelques instants. Vraiment merci d'être venu. Lucie... Je sais que je suis la dernière personne que tu aimerais voir et que tu me détestes. Mais s'il te plaît, écoute-moi. C'est vrai que j'ai été payé par Anita pour séduire Edna. Et aussi, la tenir loin de son mari. Je croyais que j'étais un homme fort et sans cœur. Alors j'ai accepté ce travail. Et elle payait plutôt très bien. En me rapprochant d'elle, je me suis rendu compte qu'elle a des qualités plutôt rares chez une femme. Je veux dire pas n'importe quelle femme. Mais une femme avec un charme unique. Elle a un bon cœur. Elle n'a jamais laissé sa richesse lui monter à la tête. Elle est toujours joviale. Et cherche à rendre toute personne autour d'elle heureux. Tu sais, à un moment, je traversais un gros problème financier. Elle a apparu et m'a sorti de cette situation sans même me demander. S'il te plaît, accorde-moi encore un peu de temps. Je te donnerai l'argent le plus tôt possible. Hein? Tu sais quoi? Là, présentement, je ne peux pas te parler. Ah oui, je te promets de t'appeler le plus tôt possible. D'accord, ok, merci beaucoup.
Bonsoir, bébé. Bonsoir. Je ne savais pas qu'elle avait écouté ma conversation. Elle a pris le numéro qui m'a appelé. Elle a appelé, puis lui ont dit combien je devais. Elle a payé une dette de 3 millions de naira sans même en parler à moi. Ce geste a fait fondre mon cœur et je suis tombé amoureux d'elle. Je ne voulais pas lui faire du mal, alors j'ai commencé à chercher des motifs pour me séparer d'elle. Ah, bien, je ne vais pas te fatiguer avec mon discours. Le plus important est que j'aime tellement Edna. En fait, je l'aime vraiment. Je voudrais juste le lui dire en face, mais elle a bloqué mon numéro et m'a bloqué partout sur les réseaux sociaux. J'aurais souhaité la voir une dernière fois avant de quitter cette ville. Mais c'est en fait ça. C'est tout à fait Edna. Elle est une si bonne personne. Tous ceux qui ont la chance de s'approcher d'elle finissent toujours par tomber amoureux. Tu as dit que tu quittais la ville. Pourquoi ? Actuellement, il n'y a plus rien qui puisse me retenir dans cette ville. Edna et moi avons partagé plein de moments que je n'oublierai jamais. Mais ça va, j'irai dans une nouvelle ville et je recommencerai une nouvelle vie. Donc tu ne vas même pas rester pour te battre pour la femme que tu prétends aimer. Il me reste juste une dernière bataille à mener. Peux-tu me faire une faveur? Oui, n'importe quoi. Je vais t'envoyer un message et je voudrais que tu le lui transmettes si possible. C'est un message d'amour. Envoie juste le message. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup. Tu sais, pour ce que ça vaut, je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Plus maintenant. C'est bien. J'espère qu'elle le comprendra aussi. Alors, quand est-ce que tu voyages? Dans 3 jours. 3 jours. Ok. Je te souhaite un bon voyage. Merci. Juste, aide-moi à lui dire que je l'aime énormément. Elle l'entendra. Je dois retourner au travail maintenant. Ah, désolée d'avoir pris de ton temps. Pas grave. Au revoir. Merci. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu exactement chez moi? N'as-tu pas assez fait? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour éliminer ce qui s'oppose entre l'amour de ma vie et moi. De quoi parles-tu? Fais ta dernière prière, Edna. Anita, tu dois te... Ferme-la! Fais ta putain de dernière prière! S'il te plaît. Fais ta putain de dernière prière! Non! Non! Oh! Mike, à l'aide! Mike, s'il te plaît, reste avec moi. Mike, à l'aide! C'est pas la peine d'appeler de l'aide. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça, tout ira bien. À l'aide! Je voudrais juste te dire que je suis désolé. Je suis désolé. Je t'ai déjà pardonné, s'il te plaît. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Prends soin de toi et de notre fille. Je suis désolé pour toi. Mike, venez m'aider, s'il vous plaît. Venez m'aider, s'il te plaît, Mike. Tu es très belle. Ça fait 3 ans déjà et... rien n'a changé depuis la dernière fois que je t'ai vue. En fait, tu es même devenue encore plus belle. Je t'ai dit de ne plus m'appeler. N'as-tu pas déjà fait assez de mal? Reste loin de moi. Arrête de m'appeler. N'importe quoi. Ah! Edna, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer mes erreurs auprès de toi et de ma fille. C'est trop tard. Je suis avec quelqu'un d'autre et je suis très heureuse. Et l'amour qu'on a partagé? Ce qu'il y avait entre nous,
Tu l'as jetée à la poubelle quand tu enceintais notre ménagère. J'ai dit que je suis avec quelqu'un d'autre et tu es placée là à me parler d'amour. Quelle est Kiki, nous sommes en retard. S'il te plaît, descends. Viens t'asseoir. Laisse-moi voir ça. Ah, ah, tu n'as pas peigné tes cheveux. Hein? Hey! Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Que fais-tu ici? J'ai appris la mort de Mike sur Internet. D'accord. Oui, j'attendais que tu sois seule pour venir te souhaiter mes condoléances. Merci. J'ai vu ton message. Ces mots étaient sincères? Oui, bien sûr que oui. Ces mots venaient de mon cœur. Nous sommes en train d'aller à la morgue pour rendre un dernier hommage à Mike. Sheila, voudrait dire que je vous accompagne? Bien sûr. Ok, d'accord. Nous pouvons donc y aller ensemble. Merci. Allons-y, ma puce. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Je suis venu te voir. Pourquoi? Allez, Lucie, ça fait déjà 3 ans que je te fais la cour. Peux-tu me dire oui et me rendre l'homme le plus heureux du monde? Tu sais, j'admire vraiment ta ténacité. Mais je ne suis pas intéressée par l'amour, le mariage et tout le reste. Oh. Je pense que tu devrais aller chercher la fille qui en a besoin. Mais c'est toi que je veux, Lucie. Dis-moi juste oui, s'il te plaît. Ok. Kiki, ma puce! Ma puce! Kiki! 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 Où est cette fille? Oh mon Dieu!
Dis-moi ça. Edna? Oui. Veux-tu être ma femme? Oui. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Je t'aime tellement. Allez, approche. Je t'aime. Approche. Comment as-tu fait pour la convaincre de le faire? Je l'ai vue devant la porte. Tu l'as vue devant la porte. Es-tu contente? Ton nouveau papa. T'es tellement magnifique, chérie. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Toi aussi? Toi aussi. Je t'aime encore plus. Es-tu contente? Es-tu contente? Es-tu contente? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.